Salut tout le monde, c'est GG, bienvenue dans cette suite de vidéos. Donc là on avait découvert tout ça là, tout ça, toute cette partie là. Alors, on est dans la chambre de mon fils et je découvre un petit peu, ou je redécouvre un petit peu ce qu'il a dans sa caisse de voiture. Et je suis assez étonné parce que sur la vidéo d'avant on est resté là-dessus et je dis oh purée, celui-là je l'ai pas quoi. Donc il a quand même des bagnoles de qualité, c'est pas mal. Allez hop, on commence avec un petit Volkswagen Touareg. Willy. Il est gros celui-là. Il est fan de rétrofiction, non. Je pensais qu'il y avait rétrofiction, mais il n'y a pas rétrofiction. Voilà. Hop. Un petit camping-car. Oula. Donc, je vois qu'il y a le tableau de bord qui se promène là. Il a eu un malaise, le camping-car. Un Himmer. Himmer camping-car. À rétrofiction. Eh ouais, ça existe. Les camping-cars à rétrofiction. À rétrofriction. Bon, il a vécu celui-là, mais ouais, pas mal. Mais pas mal. C'était qui avait fabriqué ça? Dicky Toys. En 2009. Février 2009. Ah, ça date. Ça date, ça date, ça date. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a une petite Audi R8. New Ray. Pas mal du tout. Hein. Est-ce qu'il y a une rétrofriction là-dessus? Ouais, je pense qu'il y en avait une. Mais elle marche plus. Elle marche plus. Elle fonctionne plus. Ensuite, une petite Subaru Hot Wheels. Une voiture Cars en plastique. Les roues, elles bougent même pas. C'était issu d'un coffret de figurines, on va dire. La petite remorque majorette de chantier. Ça, c'était à moi quand j'étais gamin. Et tout est encore opérationnel. Enfin, je pense. La porte, elle est encore présente. Il suffisait de tourner pour l'ouvrir. Et tourner dans l'autre sens pour la fermer. Avec l'accroche en plastique, qui était plutôt fragile. Souvenir, ça. Et c'est increvable. Une moto McDo. Une Mini. Willy. Mini Cooper S. Willy. Ou un 43. On va essayer d'en prendre soin. Une Peugeot 3207. À rétrofriction. Alors, dès qu'il y a de la rétrofriction, à chaque fois, c'est lui qui récupère. Alors, soit c'est acheté dans un lot, soit c'est reçu, mais à chaque fois qu'il y a de la rétrofriction, on peut être sûr que c'est lui qui les récupère. Alors là, qu'est-ce qu'on a? C'était les majorettes Crack-Ups. Crack. Turboom. La brevette. Alors là, il reste plus grand-chose. Hein, c'était les voitures où, une fois qu'elles étaient montées, quand elles avaient un accident, ça ouvrait les portières et le châssis... Il reculait d'un petit peu et on pouvait mettre un pétard ici. Paf! Voilà. Ensuite, ouh, elle est jolie celle-là. Un véhicule Cars. Oh mon coco. Œil pour œil, dent pour dent. Je vais la récupérer celle-là, je sais pas si je l'ai. D'ailleurs, on en voit une autre ici, mais celle-là je l'ai déjà. Celle-là, non. Celle-là je la connais. Ouais, en plus, elle est super lourde parce qu'il y a une rétrofriction dedans. Rusty's, ouais, complètement parti. Il n'y a que l'aileron qui a encore gardé la couleur, c'est marrant. Et le bas de caisse. Alors tout le reste a changé de couleur. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh le vieux. Une Saab en état de jeu. Voilà, bonne pour la casse. Carama. Anguel. Saab 9-3. 9-3, ouais. On a du Solido, là. Un petit camion de pompier, Solido. C'est quoi, ça? Hotchkiss. Il y en a qui m'ont crié, oh, le sacrilège. Donc, il est incomplet. Hein.
On a une jolie. Ouh, celle-là, elle est belle. Dans sa caisse de voiture. Mais qu'est-ce qu'il a? Truc de malade. En plus, je crois que celle-là, elle faisait même du bruit, quoi. Ah ouais, il faut mettre des piles. Porsche 918 Spider, c'était MSZ. Rétrofriction et bruit du moteur si on met des piles. Et peut-être les feux qui s'allument. Aussi. Je vais la mettre de côté celle-là, parce que là, ce serait un sacrilège qu'elle continue de la casser. Une petite Fiat 500, découvrable. Wheely à rétrofriction. Belle rétrofriction. Ensuite, une invention. On passe dessus. C'est moche. Une petite de nouveau. Une Smart for Two. On avait déjà une comme ça tout à l'heure. Je ne sais pas si c'était le même coloris, peut-être. Là, on a un camion Solido. Pompier. Berlier Camiva. Ouais. Ferrari. Wheely. On va pas dire. Ah, rétrofriction, je pense. Il devait y avoir une rétrofriction. Ouais, il y a un système de rétrofriction, mais ça ne fonctionne plus. Un hélicoptère. Je ne sais pas du tout de quel fabricant. Le French Tuesday, les autocollants, un petit Renault Kangoo, nos rêves, waouh, ça c'est beau ça c'est super sympa, petite Firebird de quelle année, 87. C'est super sympa, qu'est-ce que ça traînait au fond de sa caisse. Ça, j'aime bien, ça. Wheely, font des belles choses. À rétrofriction, je pense. Ouais. J'allais dire, ça, je la mets de côté, je vais pas la mettre dedans. Le petit Peugeot 206, je sais plus quoi, là. RMS, RME... non, H2O. Pile à combustible. C'est qui avait fait ça, Majorette. Voilà. Elle est lourde. Ensuite, on a un petit karting Mario. Mario Kart. Une mini sans toit. Majorette. Je suis obligé de vérifier parce que des fois celle-là elle est passée sous un camion. Tchouk, cabriolet. Bon bah voilà, ouais. Moto Playmobil. Hop. Petite Lamborghini Countach, Majorette. Elle a du vécu celle-là. Allez hop, on finit la boîte là, on finit la boîte, soyons fous. Une invention dinosaure Hot Wheels. Coffret, un tonneau Texaco, pas mal ça, c'est pas mal. Ensuite, putain, c'est quoi ça? Les Super Wings. La voiture de Mini. Non, Tom, Jerry plutôt, Jerry, ça c'est la rétrofriction. Ouais, en plus, il y avait de la belle rétrofriction. Et celle-là, elle est tellement petite que quand elle tourne, elle se met debout et elle tourne sur elle-même. Enfin, bon, bref. Une petite Corvette. Hot Wheels. Bon, celle-là, je l'ai en neuve. De nouveau, une Solido. Bien sûr. Une Renault 4 fourgonnette Solido. En état de jeu. Une petite Renault Alpine Majorette.
Made in France. Ça fait vraiment style caisse de brocante. Hein. Un camion de pompier Matchbox. En bon état en plus. Très bon état même. C'était à moi ça quand j'étais gamin, je crois. Hop, hop. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je pense que c'est un truc Hot Wheels. Là, il bouge. Hein. Tout terrain. Pour comment il s'appelle. Puis j'ai pas envie de regarder. Une invention qui est moche mais qui a encore toute sa peinture. Je sais pas ce que c'est. Une invention Hot Wheels. Alors souvent ça c'est issu quand j'achète des coffrets Hot Wheels, quand j'achetais des coffrets Hot Wheels, je gardais les beaux véhicules et je suis refilé des inventions. une Nissan 280 Turbo Pace Car. Alors ça c'était spécial. Alors ça c'était à moi ça. Qu'est-ce qu'il y a, les 9 choix avec celle-là. Matchbox. Il y avait des roues gommes à l'arrière. Vous pouvez choisir à mettre des roues gommes ou des petites. Bon, là, il n'y a plus de roues gommes, je ne sais pas ce qu'il en a fait. Et là, tu avais un levier de vitesse. Si tu étais à rétrofriction, tu la faisais aller en arrière. Tu la bloquais. Tu passais la vitesse que tu voulais. Et au bout d'un moment, il y avait la cinquième roue qui sortait quand elle roulait. Et hop, et ça lui faisait faire des accidents. C'était pas mal vu ça à l'époque. Oh, il y a des. Allez hop, il y a trois jolies voitures qui sont au fond. Comme ça, on finira avec des belles voitures. Une invention en Twills, encore en bon état. Ah, tiens, encore une invention en Twills. Une invention, ça ressemble à une DB7 ou une DB5. Il n'y a plus les roues avant. Bah, elles sont passées où les roues? Allez. Bon, bah voilà, il manque les roues. Une SICU. Ford Escort SICU. Ça, c'est sympa ça. Ça, je pense qu'il l'a pris de chez moi, ça. Il a dû la prendre de chez moi. Il en reste deux. Donc, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. On va finir avec, voilà. Il en reste encore deux. Une, ça, enfin, plus qu'une après celle-là. Celle-là, la Mustang, celle-là est super belle. Hot Wheels, non, Matchbox. Monster Truck, ça, c'était du véhicule, j'adore. Elle est super belle, celle-là. Je dois l'avoir dans ma collection aussi, hein, c'est pas possible. Et on finit avec une magnifique Mustang 264 Kinsmart, donc avec rétrofiction, logiquement. Voilà. Au fond de sa caisse, une jolie Mustang. Je vais la mettre de côté aussi. Et voilà. Et ben j'espère que c'est. Je crois que j'ai fait 4 vidéos. C'est 4 vidéos sur la caisse de mon fils. Vide. Vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et voilà, ça remplace un petit peu les vidéos des brocantes qu'il n'y en a pas eu cette année. Voilà, ça fait un petit peu je fouille dans le tas. Voilà, maintenant il ne reste plus qu'à ranger tout ça dans la caisse. Et voilà, et puis on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.